Le dire à haute et intelligible voix ne fait pas de moi un citoyen congolais injurieux. Moi, opposant au régime du despote Denis Sassou Nguesso. Comment peut-on concevoir qu'une ville, une région aussi riche en ressources naturelles, ressemble à un grand bidonville, à une décharge publique? Les Congolais savent-ils que Dubaï a été construite en moins de 30 ans? Où va donc l'argent du pétrole, du gaz, extrait dans la région de Kwilu? 14 000 milliards des générations futures se sont volatilisés dans les paradis fiscaux. Cette vue du ciel de la capitale pétrolière du Congo est humiliante. Denis Sassou Nguesso, qui est revenu au pouvoir au prix du sang du peuple congolais, a érigé un véritable état mafia, une république clanique et tribale. Jean-Jacques Bouya, dans ses discours pompeux et moyenâgeux, s'est vanté d'avoir effectué des grands travaux à Pointe-Noire. Sera-t-il un jour interpellé pour toutes ces magouilles à la tête de ce ministère qu'il occupe depuis plus de 20 ans?